Quand je crie vers Dieu, il entend ma voix. Il me met à l'abri de ceux qui me poursuivent. Et en ce matin, l'Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, nous invite à nous décharger totalement, nous décharger de tout ce qui est inquiétude, nous décharger de tout ce qui est amertume, nous décharger de tout ce qui est suffisance dans nos vies, nous décharger de tout ce qui est peur, que nous venons nous décharger à ses pieds, tout abandonner aux pieds de sa croix. Et en ce matin encore, nous sommes réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie à toi, bien-aimé de Dieu. Que la paix de notre Seigneur soit ton partage en ce matin. Que l'amour et le pardon soient ton partage tout au long de cette journée. En ce matin, nous nous tenons encore dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Marie, Notre-Dame des douleurs. Elle qui a accompagné Jésus-Christ tout au long de son calvaire. Elle qui a vu comment on maltraitait son Fils à cause de nos rejets, à cause de nos résistances. Elle a tout supporté dans le silence. Et en ce matin, Maman Marie nous invite. T'invite toi qui es encore en train de couler sous le poids des fardeaux, à cause des actes manqués, à cause de tout ce qui ne confesse pas le nom de son Fils dans ta vie. Que tu puisses encore en ce matin t'abandonner tel que tu es avec tes faiblesses. T'abandonner avec tout ce qui t'empêche de véritablement unir à elle et à son Fils. Voilà pourquoi en ce matin, c'est un cri que tu veux faire parvenir à notre Seigneur Jésus-Christ dans ce désert. Dans ce cheminement dans lequel tu es, dire à Dieu de te faire grâce de son pardon. Pardon pour tout ce qui ne confesse pas son nom dans ta vie. Pardon pour toutes les fois où tu l'as rejeté. Pardon pour toutes les fois où tu n'as pas su le reconnaître. Pardon pour toutes les fois où tu as manqué d'abandon et d'obéissance. En ce matin encore, il te rappelle à l'ordre pour que tu reviennes à l'essentiel. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Bye.
toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Oui, Seigneur, par Marie, aie pitié de nous. Relève tout un chacun de nous, car nous sommes tombés bien bas. Relève chacun de nous par ta grâce et ton pardon. Relève chacun de nous par ton amour et tes compassions. Relève-nous parce que ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait, de par nos pensées, de par nos actes, Seigneur. Aie compassion et aie pitié de tout un chacun de nous, Seigneur. Nous te supplions, par Marie, Notre-Dame des douleurs, aie pitié. Par Marie, Notre-Dame de toute grâce, Seigneur, aie pitié. Regarde à ce frère, regarde à cette sœur qui crie à toi en ce matin, en te disant, Abba, j'ai péché contre toi. Abba, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, parce que je suis rempli de toutes choses. Je suis rempli d'iniquité, rempli de faiblesse, rempli de tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ta vie. Voilà pourquoi en ce matin, je m'abandonne à toi, tel que je suis, pour que toi-même tu viennes encore me laver et me purifier de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie dans ma vie. Alors Seigneur, qu'il te plaise encore en ce matin, par Marie, de venir encore nous faire grâce, grâce de ta miséricorde, grâce de ton pardon. Telle est la prière qui monte dans nos cœurs en ce matin. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous humilions devant toi pour nos pensées impures. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Pour nos colères, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Alors, bien-aimé de Dieu, de là où tu es, tu peux continuer encore d'offrir à Dieu ce qui t'empêche véritablement d'être saint dans sa présence. Ce qui t'empêche de véritablement jouir de sa miséricorde, afin que lui-même vienne encore te remplir de son pardon, te remplir de sa paix. Et c'est dans cet élan de miséricorde que je te souhaite de passer une sainte et agréable journée, et que Dieu agrée encore à tes prières et à tes supplications de ce jour. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.